Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy. J'allais dire Bravis juste, mais non, Pixel Remaster. Comme promis, j'ai regardé un peu sur le net pour savoir si on avait d'autres choses à faire avant de se rendre au Temple du Chaos. Mais non, en fait, nous n'avons rien d'autre à faire. Donc nous allons aller directement au Temple du Chaos. Bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Temple du Chaos. Par contre, que faut-il faire? Je suppose que c'est peut-être ici. Ouais, c'est ça. Et retour 2000 ans passé. Vous concentrez l'éclat des cristaux sur le cristal noir. L'avenir et le passé se replient sur eux-mêmes, ouvrant un portail spatio-temporel devant vous. Encore un pas, et vous ferez un bond de 2000 ans en arrière. Même pas le choix, hein. Il le fait pour toi. Et le temple du chaos 2000 ans en arrière est bien entendu un donjon, sinon ce ne serait pas marrant. Comme d'hab, dès qu'il y a un truc intéressant ou le boss final. Il y aura des choses intéressantes. Bah, à tout de suite. On va se regarder. Bon, ici honnêtement, il donne énormément d'XP et énormément de guilds. Aïe, mortel. ça fait. Je dis ça et après il me donne très gentil. C'est quoi ça? Bon, déjà on va prendre les deux corps. Exir, toujours intéressant, évidemment. Un mob, ça va pas faire. Dragon zombie et baron zombie. Ok. Parfait. J'aurais eu mal s'il m'avait silencé. Parfait, en plus je reviens à full vie. Je vais pas cracher dessus. Hein. Etherix, bah dis donc. Que des objets intéressants ça. Parce que j'avoue que je les ai pas encore utilisés une seule fois. Ça reste intéressant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le luth. Oh. Ok. Bah, parfait. Temple du Chaos, premier étage. On a donc débloqué l'entrée du Temple du Chaos. Je sais pas où on en était. Peut-être à les ruines du Temple du Chaos, toujours. Ouais. Bonjour, qu'on connaît bien ici. Après deux promos, évidemment, sinon c'est pas marrant. Oh, ok. Il y en a deux qui ont décidé de fuir, pourquoi pas. Ou un qui a décidé de fuir plutôt. Alors, la liche. Quelque chose que connaît bien ça. Sûr qu'il y a une belle feu, elle. Alors 4 dégâts, ça va encore. Et il résiste, hein. Je crois qu'il a eu un petit peu horrible depuis la première fois qu'on l'a affronté. Attends, j'ai fait une connerie, là. Voilà, c'est bien ce qui semble. Décidément. Deux attaques sur trois déjà, il se les a ramassés. Et il a de la vie, il a de la vie. Faut lui reconnaître.
de chance. Le Palouf est très résistant. Ouais. Au revoir, Mr. Leech. Par contre, si lui a déjà autant de vie, avoir les... Bah, on l'a rencontré, je suppose qu'on va rencontrer, bien entendu, les trois autres. Donc, à voir. Bref, on voit déjà le rouge qui est là. C'était la femme serpent, non? Petit déplacement, on y arrive. Bonjour, Mistaguette. Comment vas-tu? De mémoire, elle utilise des sortes de feu, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Oh, salope, elle fait mal! Et en plus, je rate le... Oh. Ah ouais. Ah, au, au, au. Ah, elle fait mal. Avouons-le. Oh, le petit ange. Il est mignon. Oh shit. À peine en vie, il est à nouveau à terre. Mais arrête avec tes brésiles, bordel de merde! Bon! J'ai compris, ça sert à rien. Booster, voilà. Magie. Grâce plus. Je vais pas perdre le temps que ça te faisait. Garde plus. Qu'elle revienne avec une attaque physique qui fait bien mal sa mère. Non, pas garde. Grâce. Ah, déjà, lui il est résistant, mais il s'est quand même pris 62 points de dégâts alors qu'il est résistant. Ah, dégage, salope! Je veux dire que. Mais voilà. C'est pas mieux, on est d'accord. Hein, mais... jusqu'à présent, c'est la première fois que qu'un personnage meurt et que j'arrive pas à le reste dans le. Je crois que ça arrivait une autre fois dans le jeu. C'est la première fois que j'arrive pas à le raise en fait. Ce qui fait que maintenant il a pas le même nombre d'XP, ça me fait chier. Mais bon, on va avec. J'allais dire, bah utilisons une queue de phénix, mais pourquoi j'utilise un objet alors que j'ai ce qu'il faut. D'ailleurs je vais éviter d'utiliser ce X. D'ailleurs je vais peut-être arrêter d'utiliser grâce plus aussi. Voilà. Donc, qui depuis le début de ce donjon, ce qui fait quand même déjà une quarantaine de minutes pour moi, j'ai réussi à ne pas utiliser un seul sort de soi ou d'attaque même avant d'arriver à ce boss parce que j'utilisais les objets, pas les équipements objets. Et bah là, allez hop, on continue. Bah, si on suit la logique, le prochain ce sera Kraken. Et voilà le Kraken. Déjà, on va faire garde plus. On va faire booster. Ça commence à foutre, hein. Non, ça va.
Qu'est-ce que t'as d'autre, ma grande? J'ai envie d'utiliser Sidéral, j'ai jamais utilisé. On va voir à quoi ressemble Sidéral ici. Parfait. Ok. De temps en temps il fait le bon bazar, mais de temps en temps... Ça va dépendre. On en profite pour garder tout le monde au maximum PV, ou en tout cas proche du maximum PV. Et on se... Ah, ok, ce que je vais faire c'est... Vu que c'est un type O, je vais utiliser mon lumière, comme ça j'ai une attaque... Ça, je pourrais utiliser une attaque foudre avec le mage noir, là, bon. Là je suis... J'allais dire full vie, mais pas si. Elle a quand même de la vie, hein. Faut bien l'avouer. Allez. Juste pour le plaisir. Un petit full X. Oh, shit. C'est juste que sa précision diminue. Ce qui n'empêche pas de frapper, mais. Ah, Kraken, au revoir! Limite, pour l'instant, j'ai eu plus de mal avec la femme serpent. Ok. Étage suivant, et donc si je me trompe pas, ça doit être Tiamat. D'ailleurs, pour information, sur cet étage-ci, c'est là où il y a la meilleure épée du jeu. Elle se trouve... dans la pièce ici, tout à droite. Petit cadeau. Et voilà, je vais d'avoir le meilleur équipement, donc Masamune. 56 en attaque, 50 en précision, donc... Comme ça, quoi. Et je viens de caper aussi les guilds. Je suis à 999 999. Voilà, il n'y a pas un million de guilds. On peut pas l'atteindre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le fait que mon mage noir, donc Morgan, soit mort, m'empêche à 135 XP près d'être sur le même level. Hein. Bon, il sera au niveau 48 d'ici à ce que je rejoigne le boss, mais voilà. Il est temps d'affronter Tiamat. Bonjour mon grand, comment vas-tu? Bien j'espère. Pas hésiter. Parfait, on va les passer. Lâche petit. Le truc qui me poison si je me trompe pas, donc faut faire attention. Ok, il y a... je crois qu'elle a... Ah, elle a un autre jeu en fait. Voilà, qui augmente l'esquive, on va en profiter. Et on peut refaire un petit booster, c'est passé sur le deuxième physique. Attention, mais juste après. Pas grand chose pour l'instant, donc voilà, et lui. Je sais pas ce qui marche contre les dragons, et j'oublie toujours. Bon, très grave. On va essayer de raser cette fois-ci. 200. Ça fait mal, hein.
Grâce exilée. Parfait. Il a de la vie, le con, il a de la vie. Bon, maintenant tout le monde a full vie. Hop. On va essayer de... Et par contre, on va lui mettre... On va lui faire la magie. On va essayer les, trois... les deux autres. On va essayer celui de la foule aussi. Je crois qu'il n'a aucune faiblesse en termes élémentaires. Mais j'en suis pas sûr. Ah. Tiamat est vaincu. Ok, bah, toute logique, il nous reste que le boss final. On verra bien ça dans un instant. Et nous voilà arrivés sur la zone du boss final. Je dois bien avouer que je me suis fait plaisir, j'ai monté tous les personnages au niveau 50. Voilà. Vous vous souvenez de moi? J'étais autrefois chevalier de Cornelia. Dans une époque située 2000 ans dans le futur, vous m'avez tué. Oui. C'est bien moi, Garland. La merde du début de jeu! Détrompez-vous, vous m'avez bel et bien vaincu. Cependant, les quatre forces de la nature m'ont soufflé malgré elles, en me jetant dans le passé. À peine arrivé ici, j'ai expédié les quatre démons dans le futur, afin qu'ils se resservent des quatre forces pour me renvoyer dans le passé. Dans 2000 ans, j'aurais oublié tous ces événements. Mais je resterai une fois de plus ici. Alors, vous reviendrez pour me tuer, comme maintenant. Mais c'est moi qui vous éliminerai. À chacune de vos morts, je renaîtrai de mes cendres. Le cycle infini que j'ai créé me conférera la vie éternelle. Oh, joli le décor. Chaos. Rien que ça. Bien entendu. Garde. Et voilà. Déjà, ça. Soit X sur L. Ensuite, ça. Le booster supplémentaire sur lui. Ou foudre X. Ah, il n'y va pas de même mort que le con, hein. La visibilité. Donc l'esquive augmentée. On va pas hésiter, anti-tout. Là je pense que j'ai fait ce que je pouvais, donc bah, on va y aller à coup de magie. Hein. Je sais pas à quoi elle est sensible. On va tester un peu tout. Ah, en plus ça peut louper l'anti-tout. Ah, ah, ah. Ça c'est pas cool. J'en ai pas à la finie, hein, dans tes tout. Enfin, faire attention. On va commencer par elle, alors. Brasier X, même. Ah bah, je venais d'utiliser Brasier X. Oula. Il va falloir que je fasse attention à ma vie, moi. J'ai même pas fait attention si l'anti-tout avait fonctionné. Dommage. Oh, bon bah, Adieu Grands. Ouais, c'est ça. Plus qu'à espérer que Mister
n'utilise pas une attaque qui va m'emmerder. On va dire ça comme ça. Au moins, il attaque avant, c'est déjà ça. On a vu, il aime un peu moins la glace. Faire ça, on ne sait jamais. Non. On va faire grâce X. Soit X. Parfait. On revient dans la course. Et là, poil plus compliqué que les autres. Donc, c'est le boss final. Si ce n'était pas le cas, je me poserais des questions. Elle, on peut replacer Gare Plus. Oh, bon, c'est glacier. Ça, c'est juste des manses. Enfin, juste des manses. Un peu utile, hein, mais bon. On peut utiliser l'or sur nous. Je vois utile. Ça me fait toujours bizarre le truc qui fait à côté. Hop, on remet la vie. Donc, la glace était moins appréciée à première vue. Foudrix, on commence. Sur du grâce X. Glace plus, ça va. Ça va, ça on s'est encaissé. Ça va. Oh ça va, non, pas ça va pas du tout en fait. La claque qui vient de mettre à mon personnage. C'est dommage que j'ai pas de vie max. Le sort n'existe pas encore, je pense, dans le jeu. Au moins, il vient d'attaquer. Il a attaqué avant que je fasse vie, hein, parce que sinon le personnage revient avec hop et V, il serait de nouveau mort. Oh, tellement mal! Ouais. Deux persos qui peuvent heal, et malheureusement ils sont passés après. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer, est-ce qu'il faut attaquer avec lui? Bon, on commence, on a pas le choix. Oh, Somnip, il va falloir leur boost. Non. Booster. Ah, j'ai plus un max, par contre. Ben, les objets peut-être. Parfois avec tous les PV. J'espère que je vais pas l'utiliser pour rien. Ça me ferait drastiquement chier.
va. Ouf. On remet garde. Voilà. Passe. Tout le monde est touché ou pas? Ouais, tout le monde a fait des dégâts quand même. Atomium. Ah oh, Grant, Grant, s'il te plaît, survie! Shit! J'ai plus vie, non. Mais je pense que j'ai deux. De Phoenix, ouais. Bon, je fais le plat. Eh, c'est vraiment le boss le plus dur du jeu. Bah, peut-être pas. Il y a peut-être Omega qui est bien emmerdant aussi. Ouais, il a fallu que ce soit à ce moment-ci que tu tapes moins fort. Est-ce que je peux trouver... Il y a quoi? Recevoir tous les PV. Ah ouais, deux personnes. Remettre. Non. Putain, mais pourquoi lui? Moi, remettre blanche pour le guerrier. J'ai envie, ça va. Voilà, quand tu vas. C'est bon que ça passe. Dire parfait, il est passé. Ouais, j'espère qu'il peut pas choper une attaque. Oh putain, il se booste en plus le con. Est-ce que je peux pas garder plus? Ah bah oui, j'ai tout récupéré, parfait. Je passe mon temps à res, quoi! Oh! Je suis tellement content d'avoir fait le plein d'objets! Sérieusement! Je suis pas sûr que booster deux fois, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Je ne sais pas. Pas beaucoup, hein, mais... Par contre, c'est vrai que si je fais Eddie et qu'il arrive à se le placer, ça peut faire le taf. En même temps, voilà, tant qu'il n'est pas au moins un minimum... Ouais, parfait. C'est bien le cas. Ça, c'est bien.
maintenant, garde plus, c'est bon. Je suis en train de regarder mes PV. Bon, les PV, ça va. Donc, je peux faire taxi, magie. Je peux juste faire celui-là. Pour l'instant, glacier plus. Bon, juste le booster. Ah, voilà, c'est ça que je dois faire avec l'image par le booster. En même temps, c'est que les magies, ça va encore. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être le dissiper. Ouais, de toute façon, j'ai plus de booster, voilà. Bah, tant pis. On continue avec les petits hits pour l'instant. 4 coups, il est mort. Oh putain, juste tout. Verté, ok. Ça va rien. Un max. Est-ce que je peux récupérer? En espérant que ça passe. Voilà. Parfait. Max. On est toujours de la course pour l'instant. Ether. On va donc pouvoir booster. Je vais y arriver. Grâce X. Magie. Booster. Il n'y a pas de ce booster. Ben voilà, de ce que j'ai bien vu, ça m'a pas plus haut que 4 coups, sachant qu'il en faisait 2 de base. Ça me rassure quand même. J'aurais quand même profité pour faire. Bon, tant pis, on va attaquer. Cyclone. Si ça fait beaucoup de dégâts ou pas, ça. Sans survie, c'est déjà ça. Il a combien de vies, bordel de merde! Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce que j'ai. Ça devrait suffire. Ah, ça fait mal, ça. En général, ça fait mal. Ouais, c'est ce que je disais. Grain de zèbre. Shit. J'ai l'impression que la vie a fini. J'espère pas, mais quand même. Ah non. On va faire plutôt ça. Non, lui, il attaque. Ça ne change pas. Mais elle va plutôt de nouveau faire il le bal. Alors que lui il va plutôt aller chercher un objet pour res l'autre. Oh, oh, et en plus la queue de phoenix passe avant le heal. T'as pas de place. Après, ça ne sauvera pas. Mais ça fait déjà du bien. C'est dommage qu'il n'y a pas de vraiment. Bon, ça sera tout le monde, ça. 4 coups, il meurt. Ce serait mort. De par défaut, 746 de dégâts, il a même pas sans vie. Putain, tu peux tomber, ouais. Magie. Est-ce que ça sert à quelque chose, magie, ici? Laisse-moi réfléchir. En même temps, c'est que vie, je vais les utiliser soit X. Est-ce que je peux te mettre quand même un petit tout? Ça serait bien. Non, un petit tout ne sert à rien. Enfin, si. Ça sert, mais. On va quand même essayer. On va voir.
tsunami. Ah, c'est passé, parfait. Ouais! Yes! J'aurais encore pu tenir un peu, enfin, ou beaucoup, je ne sais pas, mais... Le nombre de fois où j'ai dû raise mes persos... Waouh, et pourtant je suis niveau 50, hein. La boucle temporelle est enfin rompue. Le combat sans fin qui faisait rage depuis 2000 ans va enfin pouvoir céder la place à la paix. L'éclat des quatre cristaux a restauré les forces du vent, de l'eau, de la terre et du feu. C'est un simple tour du destin qui avait donné naissance à la haine de Garland. Garland. Amplifié par les quatre forces de la nature, ce tour du destin avait fini par engendrer les démons. Les monstres s'étaient alors multipliés, entraînant avec eux le monde dans les ténèbres. Mais tout cela appartient au passé maintenant. Maintenant que les quatre forces ont repris leurs droits, les guerriers se préparent à rentrer dans leur monde. Je ne sais pas si on peut défiler un peu plus vite, c'est très très lent. Celui de la princesse Sarah, de la reine Jeanne, mais aussi de Garland. Quand, au juste, le temps s'était plié jusqu'à former une véritable boucle temporelle. Encore ou juste le temps s'était plié jusqu'à former une véritable boucle temporelle. Nul ne le sait. Ce cycle aurait très bien pu continuer éternellement, mais c'était sans compter sur la bravoure de quatre jeunes gens. Nul ne se souviendra du périple de ces quatre héros car, en brisant la boucle temporelle, et il l'avait effacée définitivement de l'histoire. Triste. Toutefois, le souvenir de leur exploit perdurera dans les contes et légendes. Des contes de nains et d'elfes, de dragons et de civilisations rayonnantes atteignant les cieux, jusque dans leur chute. Leur retour est proche maintenant. Fort des souvenirs de leur voyage, les quatre aventuriers continueront à veiller sur notre terre. N'oubliez jamais que les forces du monde doivent être utilisées à bon escient. Le pouvoir de la lumière doit se garder de l'appel des ténèbres. Que les vrais cristaux résident dans votre cœur. Car c'est vous qui avez franchi les portes du temps. La lumière est entre vos mains. Le temps c'est beau. La musique, le texte. Dans le texte défile tellement lentement.
vrai que maintenant il y a plus de texte. Est-ce que je peux cliquer sur quelque chose? Non. Aucun des boutons ne me permet d'accélérer le défilement. La souris non plus. Nous adressons nos plus profonds remerciements à tous nos fans à travers le monde, ou ceux d'hier que ceux d'aujourd'hui, tant ceux d'hier que ceux d'aujourd'hui, ainsi qu'aux équipes dévouées qui ont contribué à façonner ce jeu. Joli. Final Fantasy Pixel Remaster. En tout cas, j'espère que ce jeu vous a plu, ce let's play vous a plu. Honnêtement, je m'attendais pas à le finir, entre guillemets, aussi vite en termes de nombre d'épisodes, j'ai quand même une vingtaine d'heures, je pense, de jeu, donc ça reste raisonnable. Après, voilà, comparé à certains RPG plus récents, je pense que ça reste court, mais c'est pas grave. Le jeu en lui-même est superbe. En tout cas, pour l'époque. Enfin, il a été remaster, bien entendu, hein, mais je veux dire, il faut penser que ce jeu est sorti quand même dans les années 1980. Et, de mémoire, il a permis à Squaresoft d'éviter la faillite. Disons-le, si Squaresoft avait failli la faillite, je ne pense pas qu'on aurait eu droit aussi bien à ce jeu-ci que à tous les Final Fantasy, entre autres FF14, hein, qui reste quand même un gros coup de cœur, même chose pour FF10. Bon, voilà. Merci Final Fantasy. Bah oui. Bien entendu, je compte faire les autres Final Fantasy sur la chaîne, mais je compte surtout faire du mixé, c'est-à-dire là on va te faire Final Fantasy, on va faire un autre jeu, et quand ça se sera terminé, on fera peut-être Final Fantasy 2. On va essayer de pas rester sur le même type de jeu à chaque fois. Donc de ce fait, si cela vous intéresse, si le let's play vous a plu, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas et franchement à soutenir la chaîne. Abonnement, commentaire, le petit like et la petite cloche de notification afin de savoir quand sortiront les prochains épisodes, les prochains let's play. Il y a au moins une vidéo sur la chaîne. Je vais pas mentir, hein. Quand je vois le compteur de likes, le compteur d'abonnement, voir les commentaires que vous pouvez laisser sous les vidéos, franchement, okay. Certains font bien chaud au cœur. Ah, ça fait plaisir. Tout simplement. Donc, merci pour ceux qui le font. Et les autres, merci au moins de regarder la vidéo. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez regardé au bout. Ou que vous l'avez skippé, mais c'est un peu triste de regarder les crédits alors que, techniquement parlant, le reste est un peu plus intéressant. Bon, merci quand même. D'ailleurs, pour votre information, monsieur, je pense que si vous êtes abonné, vous l'avez dû le remarquer. J'essaie de mettre des posts, on va dire ça comme ça, dans l'onglet communauté, que ce soit pour des sondages, afin de savoir quel prochain jeu vous intéresserait, par exemple si on est sur une série Lego. Globalement, je compte quasiment tout ce que je vais faire, mais bon, si vous avez des préférences, autant les faire, autant que ça vous plaise également. Vous prévenir des prochains let's play, par exemple quand ce jeu-ci termine, normalement, le même jour vers 18h si je me trompe pas, si je change pas d'avis d'ici là, je mettrai un post qui préviendra quel est le prochain let's play par exemple. Je peux même mettre des informations ou des questions pour mieux vous connaître. Voilà.
Donc n'hésitez pas à regarder aussi le l'onglet communauté. Pour ceux qui se demanderaient comment ça se fait que j'ai déjà l'onglet communauté alors que je n'ai pas 1000 abonnés, bah c'est simple, YouTube a changé ses règles il y a, au moment où je tourne cette vidéo, une semaine peut-être, et maintenant il faut 500 abonnés. Merci YouTube pour réduire ça, et merci à vous d'avoir au moins, de m'avoir permis d'au moins atteindre les 500 abonnés aussi, franchement. Il est probable que si on atteint les 1000 abonnés, ce qui n'est pas dans très très longtemps en termes de nombre d'abonnés, vu que je suis au moment où je tourne cette vidéo 906, il est pas possible que je fasse une FAQ, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer, je mettrai d'ailleurs un post dans l'onglet communauté lorsqu'on passera la barre des 1000 abonnés, afin d'avoir vos questions, préparer une petite vidéo sur ça. Tant que les questions ne sont pas trop privées, j'y répondrai. Hein. Les crédits sont quasiment aussi longs que le combat contre le boss, hein. C'est assez ironique quand même quand on y pense. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? J'ai déjà dit que j'avais bien apprécié le jeu, hein, mais honnêtement, pas graphiquement parlant, c'est du 2D qui a été remaster, hein, mais voilà. Ça... Je préfère le 3D, clairement, mais ça plaît quand même à l'œil. C'est pas le FF de 1980, je pense. J'ai vu des images, ouais, là, ça, c'était bien dégueulasse. En tout cas, pour les standards actuels, hein. Là, c'est, voilà, c'est pas plus mal. La musique, par contre. Elle plaît. Enfin, soit on aime pas, on est d'accord. Moi j'aime. Voilà, ouais, moi j'aime bien. Les combats. Je crois que j'étais un peu overpower sur la quasi-totalité du jeu.
j'ai un peu trop farmé, on va dire ça. Bah, ça m'a permis d'avoir les différentes armes et sorts que je voulais au moment où je les voulais. Et malgré cet overpower sur quasi la totalité du jeu... Ah mais le boss final! Mais que t'es des claques! J'ai aucune difficulté sur tous les boss. Peut-être pas Omega, j'ai pas pu l'affronter, donc malheureusement je peux pas savoir. Mais le boss final... Oh, il met des claques! Je sais pas s'il est... s'il y a un pourcentage par rapport au personnage, ce serait bien. Ce qui expliquerait pourquoi j'ai eu entre guillemets autant de mal. Mais... Si c'est pas le cas, imaginez un mec qui arrive 35 ou 40. Enfin, un mec ou une femme, hein, on s'en fout. Qui arrive là niveau 40. Bah, si moi niveau 50 j'ai eu quelques difficultés. Niveau 40, alors que t'as des stats en moins, the end, oui, la fin, logique. Ça ne peut qu'être que plus dur. Légèrement peut-être, mais ça peut qu'être que plus dur. Ou alors tout le monde arrive au niveau 50, c'est un peu... environ 50 en tout cas. Et c'est un peu étonnant alors que le... Quand même, j'ai quand même passé... 5, non, 10 heures, ouais. Peut-être entre les deux, entre 5 et 10 heures de farm sur l'entièreté, quoi. À moins que tout le monde fasse nécessairement ça. Peut-être aussi. Est-ce que the end, parce qu'il faut que je clique. Ouais, en cliquant, ça passe. Voulez-vous sauvegarder votre partie finie? Cette sauvegarde permettra de reprendre la partie avant le combat ultime. Bah ouais, vas-y, je m'en fous en fait. Bah voilà, sauvegarde. Oh, il y a une petite étoile à côté de sauvegarde 1. Oh, que c'est mignon. Retourner à la quantité, oh, si tu veux. Et voilà, donc l'histoire est intéressante. Voilà, bon, elle reste extrêmement simple. Hein, on sauve la princesse. On fait en sorte de raviver les 4 cristaux. Puis on va buter le boss final. Histoire simple, mais parfois ce qui est simple reste efficace. Et comme je l'ai dit, pour un jeu qui est sorti en 1980 et quelques, et qui a permis à Squaresoft, donc avant Square Enix, de sortir de dettes et donc éviter la faillite, bah ça fait le taf, ça a fait le taf, ça fait toujours le taf, et bah, c'est ce qu'il nous faut, ça nous plaît, point, voilà. Donc j'espère vous revoir bien entendu sur ma prochaine Let's Play. Si celui-ci vous a plu, je répète, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, mais également la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine. Bye.